Et bonjour internet, bonjour petit canard, ici Casamania, bienvenue sur cette vidéo de WoW, on continue les amis la découverte de Let's Play avec épisode 88. Et oui, déjà, ça avance beaucoup, ça avance très vite, enfin très vite, ça avance, du moins. Niveau 65, Kazuar, notre guerrier tank, on va continuer, nous sommes toujours en Magrande, et on doit aller retrouver Gaze, qui est le représentant du consortium, qui va, j'espère, nous filer une paire de quêtes, parce que là j'ai l'impression de les chaîner les quêtes, un truc de fou. Un truc de fou, alors on peut peut-être... Allez. Pour le fun, on se met en queue dans un donjon, des fois que ça pop. Je suis pas convaincu, à cette heure de la journée, il est 15h en pleine semaine. On sait pas, on peut tester. Alors Allah est toujours allié. Alors le point d'ancrage de Nagrande. Je sais pas du tout, je sais plus à quoi ça ressemble ce point d'ancrage, mais on va aller voir. Je crois que depuis qu'on est en Agrande, j'ai jamais vu Allah qui était hordeuse. Hein. Bref. Continuons. Oh. Waouh. Oh. Ah. Oh. Vous voyez là-bas, il y a les nuages de gaz. Ça, c'est des ressources d'ingénieurs, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était implémenté ça, les ressources d'ingénieurs de type gaz à l'époque sur Vanilla. J'ai des gros doutes là-dessus. Il me semble que c'était vraiment un truc qui a été rajouté plus tard. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Alors. On va continuer. Par ici. On arrive au point d'ancrage du consortium. On arrive, il manque plus qu'un DPS. Alors il est peut-être meilleur qu'on passe en donjon, tiens. Allez. Pas prévu, mais les choses imprévues sont aussi sympathiques. On va aller voir. Ah, je pense qu'il y aura de la quête ici. Cool, cool, cool. Alors, on va prendre les quêtes dans l'ordre. On va déjà voir Gaze. Prêt à vous mettre au boulot, ma vivant. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Il faudra juste que je me souvienne de mes touches de taunt. Ça, c'est combat, ça, c'est combat. Ça, c'est... Il me faut une cible. Je sais plus. Comment je taunt avec mon truc. Je n'ai pas de cible. Ah, c'est ça, ça c'est mon taunt. Ok, j'ai pas il ma taunt. Me faut une cible. Ok, va falloir que. Ça fait longtemps que j'ai pas joué tank. Voler les voleurs. Le prince Nexus Ramad nous a ordonné de ne pas commencer à travailler à l'intérieur d'Oshogun, car cela pourrait mettre un certain puissant Naru en colère. Cela ralentira grandement nos opérations, mais je pense que j'ai trouvé une faille. Procurez-vous 10 fragments de cristal d'Oshogun. Ok. Shogun. Ouais, mais il y a ma skate à faire ici. Shadrek, de l'ivoire par la tête. L'ivoire est une dorée très recherchée. J'ai un grand nombre de clients venant de très loin qui veulent en acheter et qui sont sur ma liste d'attente. Je pourrais me laisser convaincre de vous donner une part des profits. Récupérez 3 paires de défense d'ivoire et rapportez-les à Shadrek. Ok. Est-ce qu'il y a des, genre un magasin par ici, apparemment intendant du consortium. Est-ce que j'ai une petite saloperie à vendre? Profitez pour un petit tri. Ça sera à vendre. Ça, c'est lié. C'est à garder, donc. C'est quoi ça? Un morceau de terre avec l'empreinte de la carte de Gordwak indiquant l'emplacement des écraseurs enragés. Ouais, je pense que c'est une utilité cette merde. Je ne pense pas, on va s'en débarrasser. J'aime pas avoir un sac plein de merde. Ok, bah j'avais pas grand chose à vendre. Du coup, on y va. Et donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que propose l'intendant du consortium. Alors, l'intendant du consortium... Oh, il en veut pas, donc il balance. Des formules d'enchant, du dessin pour le métier de joaillier. Un tabac. Ouais, du niveau 105, 70. Schéma, formule. Illusion. Vous obtenez l'apparence de l'enchantement d'arme exécutrice, tiens. Ça ressemble à quoi? Rien, je peux pas le voir. Alors, dans collection peut-être. Hop, collection. Enchantement d'armes. Exécutrice. Ça va être un truc qui fait du... T'as rien à masse quand même. Ça va être un truc plein de sang, je pense, exécutrice. Ou un peu sombre. Je sais pas trop. Alors, eh bien écoutez, je ne le trouve pas.
L'illusion exécutrice, c'est bizarre. Pourtant, c'est bien une illusion d'arme. Bon. C'est con comme truc, c'est bizarre ça, regardez. C'est même pas fou, illusion exécutrice. L'apparence exécutrice. Ok, bah je sais pas. Là, j'ai un... C'est une très bonne question, si quelqu'un a une réponse là-dessus, pourquoi l'illusion d'arme, je peux pas l'avoir dans la bibliothèque, bizarre. Alors, Gavaxi. La présence de voleurs éterriens dans cette région amuse peut-être Gaze, qui ne voit que des opportunités partout où nous allons, mais elle représente une véritable menace contre la sécurité de nos opérations. Tu es Gavaxi. Ok. Gaze a choisi d'établir des opérations aussi près de Shogun que possible. Shogun, tonight. Sans la moindre considération pour la sécurité de notre équipe. Pourquoi? Parce qu'il a prévu une augmentation de 10% de la productivité s'il s'installait ici plutôt que dans les montagnes du sud. Zerid au point d'ancrage, Eris, son grande veut que vous tuiez 8 rejetons de vide. Ok. Donc là, il y a une paire de monstres à te flinguer. Alors, il nous faut des fragments de cristaux. Tu es Gavaxi et ma quête des. Ah ouais, des défenses de. De défense. Ok. Alors, donne la fameur. Ouais, bah ça on connaît, hein. Mob de quête, on va pas s'éterniser dessus. Donc des éclats de cristaux, des marcheurs du vide et de l'ivoire. J'imagine que les ivoires ça tombe quoi sur les vieux sabots. Alors, j'ai même pas lu la quête. Les élèques sauvages, d'accord. Les élèques sauvages. Et ben on se fera les élèques sauvages tranquillement. Je dois m'approcher. C'est trop loin. Allez, là il en faut 10. C'est parti les amis. Non, il en faut que 8. C'est encore mieux. Le cible. Il faut le cible, chef. Petite musique. Petite musique triste, genre. Genre film hollywoodien. Ah, elle est bien la musique ici. Ah, elle est sympa la musique philharmonique de Shogun. Dans le chant des esprits. Elle a du cachet quand même. Allez hop, on a un pop donjon qui vient d'apparaître. On va valider. Il manque plus qu'un DPS. Et on est parti pour les cryptes de Konai et dans lesquelles. Tom Mana, et eh ben on est parti pour Tom Mana. On va prendre les quêtes vite fait sans les lire parce que les mecs, je sais qu'ils rushent comme des glands. Apportez, faites ci, faites ça. On va dire bonjour, grip, hi, motherfucker. Alors, par contre, ça fait très longtemps que j'ai pas joué donjon, donc on va essayer d'être pas. Il est où le heal? Lui, il est OP. Ok, c'est parti. Allez, les amis, c'est parti pour donc. Tom Mana. En mode bourrin, je sais même plus quels sont les boss dans ce truc là, on va bien voir. Allez, on y va, on enchaîne. Doucement, les mecs, rushez pas comme des bites. J'ai comme l'impression qu'ils ont gros DPS, les mecs. Hein? Ça doit être encore des types full. Comment on dit? Full héritage, donc je pense que j'ai pas de soucis à me faire à. A raté un peu là gros. En tout cas ça fait du pex merde. Allez on va clean un peu, d'accord, oui oui on y va là. On y va, on va clean. Ça vous. J'avais envie de clean, bah moi ça m'arrange parce que j'ai besoin de pex les amis. On y va, là-bas il y en a un, on va se les faire tranquillement. Ah, il y en a qui a plus de vie quelque part. C'est derrière. Ah oui, puis il est FK. Bon. Ça range pas. C'est bon? Tout le monde est re-up. Tout le monde a de la vie. Laissez-moi 2 secondes que je loot aussi. Je dois m'approcher. Voilà, on finit la zone et on va sur le premier boss qui est Pandemonium, si je dis pas de bêtises. C'est Pandemonius. Pandemonius, c'est vrai. J'ai encore quelques bons souvenirs. Allez, tout le monde est OP, les mecs. Ça a l'air. On y va. On va sur le boss. Pas de musique, je sais plus ce qu'il fait. Il doit pas être bien violent.
vu le pourcentage de vie qui perd extrêmement rapidement. Allez, on en parle plus. Premier boss, il est tombé. Qu'est-ce qu'on a beau de, des bottes en maille, c'est pas pour moi. On va laisser. Et on continue. Ah, les mecs, ils tombent les mobs en deux coups, quoi. Truc de dingue. Ça polyvalence, rien à foutre. Ok, vous voulez passer comme ça, bon, on va passer comme ça. Hop. Ça devrait le faire, tout le monde est passé. Un gros problème. Ça fait quand même du bien niveau pex, hein. Il n'y a pas tortillé du derrière. Allez les gars, on avance. Ils sont derrière nous, on a du monde. Bon. C'est bon. Plaque agit en telle, on s'en fout de l'agir. C'est bon, on continue. Allez, on rentre dans le tas comme des bœufs. Ah là, on va claquer les trinkets histoire de dire. Là c'est un peu mal, voilà. Le heal il suit bien, bien, pas de soucis à se faire, faut pas en prendre plus non plus parce que ça commence un peu à piquer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on fait des... La répute hors des consortiums. Bien. Ça tombe bien parce qu'en ce moment je suis en quête avec les gars du consortium. Je monte ma répute auprès d'eux. Du coup les quêtes je sais absolument pas ce que je dois faire. Moi j'avance. J'avance en mode autiste. Le cœur de Tavarok. Il faut tuer des trackers, des lieurs. C'est après. D'accord. Je pense que toutes les quêtes on va pouvoir les faire sans souci. C'est bon. Allez. Tavarok, c'est parti. Deuxième boss, alors je crois qu'il lui fait des espèces de... Ouais. Tremblement de terre qui font un peu mal. Voilà, les Sims. Les séismes. Les séismes. Qui étourdissent. Qui stun. Allez, on n'en parle plus. Tavarok s'est fait terrasser. Cœur de Tavarok, un beau bâton. C'est pas pour moi, on continue. Attendre que tout le monde se ramène. Je suis en train de réfléchir devant le boss, c'est bon, on y va. Je fais interrupt 10 fois. Allez, on continue. Ah, perdu l'agro là, c'est bon, j'ai récupéré l'agro. C'est pas fatigant le tanking là-dessus. C'est pas du tout fatigant, c'est pas facile. Sur les donjons comme ça de leveling, il n'y a aucun... Une difficulté. C'est très mécanique. Moi. Alouette, petite alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Alouette, alouette. On en est où? On en est qu'il reste encore deux boss. Alors, est-ce que c'est. Je me rappelle plus. Est-ce que c'est ici qu'on a un boss qui peut looter une monture? Vous savez, les. Espèce de corbeau là. Vraiment, je sais plus. Est-ce que c'est ici, on parle. Aïe. Je me souviens plus trop. Je confonds peut-être avec. Parce qu'il y a ton mana. Et l'autre, c'est. Le Primodium. Non, je sais plus comment.
peu cher là. On va attendre d'en monter, mais comment on monte? Force Intel non plus. En même temps que c'est pas celle-là avec. Non, non, c'est avec les Arakoa. Donc là, on est plus avec les Arakoa, on est vraiment avec des Éthériens. Je sais plus. Ah oui, Prince Nexus, ça, je me souviens où c'est. Mais c'est le bordel ici. J'ai un mauvais souvenir d'ici à l'époque. Bon, le jeu était encore un peu. Je dirais pas difficile, mais. Moins nerfé. C'était pas toujours évident ce passage avec plein de mobs partout. Donc il y a des squelettes qui sortent. Ah ouais, on se fait fire et du coup t'aggro toute la map. Non, je me souviens. Je vous prie de m'excuser, mais je ne pensais pas recevoir. Oula. Ok, niveau pack, ça fait plaisir. Force, on s'en fout, on continue. On fera les petits packs à droite, les petits packs à gauche. Parce que ça, c'est le genre de pack qu'on aggro pendant le combat, après sinon, c'est chiant. Cool ça. Putain. Tapis. C'est bon, on va régénérer un peu. Attendez les mecs, attendez, on régine s'il vous plaît. On attend que tout le monde soit à 100%. Ça a l'air d'être OP, presque. Et bon, on y va. C'est partouze. Ah oui, puis il y a des boules et tout. Bref, c'est un sacré bordel. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas le choix, faut tout lui mettre. On prend un Nexus. C'est moi qui prends cher en dégâts comme ça? C'est moi. Adieu. Fumée. On va dire GG. Et on a un vieux masque en Mike. Et je peux pas nier. Ok, bah du coup, j'ai eu zéro loot là-dessus. Ça fait chier. Mais au moins, on a fait 3 quêtes. On a pexé et on l'a fait. Voilà. Nous l'avons fait. C'était rapide, hein. Je crois que ça a mis 7. Un peu. Non, je sais pas trop combien de temps on est rentré quoi. On a mis peut-être 10 minutes. 10 minutes, hein, c'est fat rapide. Hein. Ben voilà. Allez, on va rendre la quête. À 10 minutes, c'est fat rapide hein, pour un donjon. Alors, on va rendre les quêtes là-haut. Il y a peut-être moyen qu'on s'approche pas mal du niveau prochain. Hein. Alors, ces échantillons sont totalement fascinants. Merci. Merci, merci, merci. 20 quêtes de donjons achevées. Et puis voilà, on va quitter le groupe du coup. Hop. Et on va se faire TP extérieur. Bah voilà. Facile, efficace, rapide. Et donc voilà. À Shogun, au Shogun, continue nos quêtes. Rejeton du vide tué. Je ne suis pas. Allez, viens par là, petit bouchon. Il ne reste plus qu'un. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Des fragments du cristal au projet Shogun. C'est ici, là, sur les gros trucs. Et après, faudra fumer des élecs. Tiens, des arcanis virani. Virani. Ouais, ils sont nombreux ici. J'aggro un truc. Ah oui, c'est vrai que cela, ça m'a toujours fasciné. Il se déplace un peu en se téléportant. Ça fait une espèce d'illusion. Une illusion qui se dédouble, c'est assez rigolo. Il m'en faut 10. Ça va le faire, il n'y a pas de soucis. Pom pom. On sera obligé de trouver un autre fragment parce que là j'en ai pas assez. Une autre zone. Je dois m'approcher. Je pense pas qu'en plus que ça repop trop rapidement ce truc. Ils en font des bruits. Ah merde, il m'en manque qu'un seul quoi. Ah les boules. Ah c'est nul.
Ah, avouez que c'est nul, ça, il m'en manque qu'un. Et ben on va aller là-bas. Là, il doit en avoir. Et ensuite, les Elec. Ah, il y a Gavixi à tuer aussi. Pourquoi les Elec, il ne met pas en surbrillance? Bizarre, ça. Je sais plus trop où il y avait des champs d'Elec. Par là ou par... On va voir. Il faut que je tue Gavixi aussi, d'accord. On va déjà ramasser le dernier cristal de Shogun qui manque. Mort-vivant volant. Merci. On va aller trouver Gavixi. Par ici. Et on tombera sur la tête des Elec. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Il est en haut d'une montagne, lui, je m'en rappelle plus. On dirait. Ah, il est là, non. Gavixi. On va lui tomber sur la tête en mode ninja, c'est parti. Marvion lent. Hop là, tu n'es plus. D'accord, donc il me reste plus que les Elec. Je sais plus trop où sont les. Les champs d'Elec. Je sais plus si c'est là ou là. Peut-être plus là ou là. Bon, bref, on va voir. On va se promener. Là, il y a la reine des Elec. Ah, là, il y a des Elec. Et ça tombe dessus ou pas, les cornes? Il y en a plein, là. On va essayer. J'avais oublié qu'ils faisaient des cris stridents comme ça. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. On va continuer. C'est trop loin. Non plus. On va faire une paire pour voir. Non plus. Je suis passé à côté d'un truc. Non plus. Ok, ça tombe pas. Alors pourquoi? Récupérer 3 paires de défense d'ivoire et portez-les à Shadrach. Je pourrais me laisser convaincre de... Les Elec sauvages qui vivent en Agrand possèdent des défenses de qualité que je recherche, mais ne vous approchez pas de mal. Leur ivoire ne... Ah, c'est pas des mâles alors qu'il faut, c'est des femelles. Ah putain, ouais, mais merde, c'est pas ici, moi, les femelles. C'est donc ça l'arnaque. C'est qu'il faut des femelles. Ok, donc faut lire les quêtes, hein. Alors en toute logique, tout est concentré au même endroit, je pense. On va faire le tour du cratère. Qui n'est pas un cratère d'ailleurs. Qui est au Shogun. Ouais, il y a que des mâles ici, on est d'accord. Donc il y a bien un coin avec des femelles, je pense. Et c'est là qu'il faut attaquer. Laissons la plage romantique. Désolé, j'ai eu un moment de... D'égarement. Non, toujours pas. Putain, sérieux. Des vieux sabots fourchus. Ah, y'a que des marcheurs du vide ici. Ah, regarde, restant 0 sur 15. Ah là, ils sont en train de me capturer. Finalement, vous voyez, je suis mauvaise langue. Elec sauvage tout court. Là, franchement, j'ai un gros doute sur cette quête. Au pire, on la fera pas. Ouais, c'est plein de sabots. C'est plein de sabots fourchus. C'est pas ce que je veux, moi. Je veux des Elec. Femelle. Après, c'était peut-être les Elec sauvages jaunes qu'on a vu là. Mais s'il y en a que là, il y en a croisé qu'un. C'est un peu galère. Ah là, bon, on va tester, hein. Il y a du monde en plus, putain.
Ah, y a Bantar qui se promène. Alors, les amis, vous en pensez quoi? Ok, ça tombe sur eux. D'accord. Donc, c'est bien les élèves sauvages en jaune qu'il faut fumer. Par contre, faut les trouver. Les terres ancestrales. Qui c'est qui campe ici? Des esprits d'orques. Bon, on va pas chercher les élèves, hein. On tombera dessus, si on tombe dessus, c'est pas un souci. On va rendre nos quêtes pour le moment. Hop là. Hop là. Alors. Zirid. Nous n'aurons plus à nous préoccuper de Gavaxi maintenant. Grâce à vous, nous allons trouver de quoi vous récompenser à présent. Vous mettez un sourire sur mon visage, Kazawa. Je t'en prie. Alors, allez-vous récupérer les fragments de cristal que je vous ai demandé, Kazawa? Tiens. Voilà qui est impressionnant, la plupart sont en excellent état. Je t'en prie. Et du coup, bah, on n'a plus de quête du tout. On n'a plus de quête du tout en Agrande. Et on est sous une 66, sachant que la prochaine zone... Là, j'ai du 60, 64, 65. On pourra peut-être se déplacer vers les tranchantes, histoire de... Ah, histoire de quêter un peu. On va faire ça. On va faire ça, les amis. Prochain épisode, on se déplace gentiment vers les tranchantes. Pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. J'ai du coup en 60... 64, c'est dégueulasse. 7, 7, 7... Ouais, bah on va prendre, hein, écoute. Et j'avais refourgué mes saloperies là-bas. Ok, bah on se fait ça comme ça, les amis. Rendez-vous au prochain épisode. Direction les tranchantes. On abandonnera la grande. Et on passera notre 66 aux tranchantes. C'était Kaz, à très bientôt. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. Bye, les amis.